L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver, chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 ActuNet. L'information de qualité sur cette chaîne est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez, si c'est fait, on peut commencer. Le lion indomptable n'a pas digéré que le public lyonnais s'acharne sur sa génitrice, alors qu'elle était présente au parcol. Ma mère, elle était au stade, et je suis copieusement insulté par les deux co, toco, eni astérisque 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 ta mère. Toco, eni astérisque 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 ta mère. Fermez les guillemets, chantez ça alors que ma mère est là, tu peux ne pas apprécier un joueur, tu peux le siffler, le provoquer, etc. Mais quand ça va loin avec des insultes, c'est différent, dit-il avant d'évoquer ses performances en demi-teinte à Rennes. Point l'adaptation difficile à Rennes, honnêtement, je l'ai bien vécu. Parce que ça fait 3-4 ans que je ne joue pas attaquant. Point on attend toujours de moi que je marque énormément, mais si on regarde bien, pour mon poste, je mets pas mal de buts. On me parle toujours de marquer, mais j'ai des consignes différentes de la part de mes entraîneurs. Marquer, c'est un plus. Et j'arrive à le faire. Il ne faut pas m'en vouloir quand je ne marque pas. Moi, je ne m'en veux pas, parce que je ne suis pas dans une position où je peux marquer à tous les matchs. Ce n'est donc pas mon objectif premier, quand je commence une rencontre, explique le champion d'Afrique 2017. Point seulement prêté, Karl Toko et Kambi ne comptent pas retourner à Lyon selon ses propres dires. Rennes compte-t-il garder son deuxième plus gros salaire ? La suite des événements nous en dira davantage.